Et salut les gars, ici Vomand du 6-9 et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le build du Rubico. Non, pas Ember. Ember arrivera plus tard, je ne sais pas quand. Il est prévu, j'ai terminé Ember, je vous le présenterai ultérieurement. Donc le Rubico est un fusil sniper, hein, très bien, j'aime beaucoup, un très bon snipe. Donc c'est un snipe. Alors, tout d'abord pour le Rubico, est-ce que j'ai... Normalement j'ai deux configs pour lui. Voilà. Donc le Rubico, voyons, qu'avons-nous? Alors il est un petit bruyant, cadence de tir 1-5. Voilà, snipe, pas une grosse cadence de tir en plus, ce qui est normal. Chance critique 25%, donc on va jouer dessus. Chargeur 5 balles. Correct, c'est pour un snipe, c'est pas, plutôt pas mal. Gâchette semi-auto. Influence des modes Riven 3/5, plutôt pas mal. Multiplicateur critique 3, c'est superbe. Donc on va jouer sur le critique et le chance de critique et les dégâts critiques. Que. Précision 13-3, c'est faible. Voilà. Recharge 3 secondes, c'est un peu le malus. Mais bon. Ce n'est pas trop grave. La statue 5%, laissez tomber la statue. L'impact 160, la perfos 30 et la tranchante donc 10. Donc on va jouer sur le perfo. Qu'est-ce que dis-je ? L'impact. On va jouer sur l'impact, les dégâts critiques et les chances critiques. Donc tout d'abord, pour cette config, il vous faudra 7 formats. La config B, il vous en faudra 4. Alors tout d'abord, on va commencer par un enclure chambre divisée. Un gros calibre, mais il nous baisse la pression, donc de 13-3 on passe à 9-6, donc ça change pas grand chose. Pour l'impact, collision imminente, enfin je vais y arriver. Pour les dégâts critiques, perception vitale qui augmente 120% les dégâts critiques, et marteau pion qui augmente aussi les dégâts critiques de 60% et les chances de statut de 40%. Pour les chances de critique, nous avons frappe tendue qui augmente les chances de critique de 150%. Nous avons 62%. Donc. Et ensuite, pour finir, un petit mode rival, le Rubico Gélic Critaton. En gros, là donc, soit c'est plus 72% de glace, plus de dégâts d'impact et plus de chances de critique. Donc 94% de chances de dégâts d'impact, plus 117,5% de chances de critique. Donc ça on arrive, on va dire, à 92% de chances critiques, 4100 d'impact, 240 de perpo et les deux tranchants, 81. Et la dégâts de glace de 1177. Et on a 13% de statut. En gros, on va dire, on a une balle sur 10. Voire de temps en temps, deux balles sur 10 qui feront de dégâts de glace. Ça peut toujours aider, mais sans bien plus. Donc, oubliez un peu les dégâts de glace. Gardez plutôt les dégâts d'impact et les chances de critique. Donc dans le champ disait perception vitale, marteau pilon, frappe tendue, collision imminente, le mode Riven et gros calibre. Pour notre config C, pour notre petite config C, le choix a été dur pour la fin. Mais je pense que ce sera plutôt pas mal. Alors toujours dentelure qui augmente les dégâts, gros calibre, collision imminente, chambre divisée, frappe tendue, perception vitale et marteau pilon toujours, c'est 7 modes. Le dernier, pour moi, était un choix assez dur. J'ai hésité. J'ai quand même pas mal hésité. Je savais pas trop quoi lui mettre. J'ai regardé un peu dans tous mes modes. Je pensais l'augmenter les dégâts d'impact. Puis, je sais pas, peut-être le mettre en silencieux. Non, il y a plus de chances de critique peut-être avec délai critique. Voyons ce que ça donne. Voilà, nous avons quasiment 75% de chances critiques. Mais la cadence de tir, elle est vachement diminuée. Donc j'ai testé peut-être avec les modes accrus, fléau des corpus accrus, ce qui pourrait être intéressant comme il est basé sur l'impact, qui augmente les dégâts de 55% quand il est maxé. En gros, ça vous rajoute, on va dire, 1400 d'impact. Donc vous arrivez à 4100, 4200 de dégâts d'impact avec fléau des corpus accrus, si je ne dis point de bêtises. Peut-être rajouter un peu un mode statut 60-60. Là, par exemple le poison, mais en ayant 60%, 18% pardon, je trouve ça, ouais, bof, nul. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre?
Bah, je crois que c'est à peu près tout. Rupture, c'est quoi déjà? Bah, rupture, je voulais peut-être augmenter avec rupture. J'ai testé, c'est... Ouais, c'est pas mal. J'ai plutôt choisi viseur argon. Donc, pendant 9 secondes, plus 135% de chance critique lorsque la visée est maintenue. Donc, en gros, vous allez faire 135% de chance critique de plus. Donc, avec ce multiplicateur, ça va déglinguer. Quand il sera en route, point ça, la visée est maintenue. Ah, par contre, j'ai pas oublié de préciser, viseur argon sur la... sur tir à la tête, donc faites un headshot, c'est bon, vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, 100% de dégâts critiques lorsque la visée est maintenue, si vous mettez salve de lame, ça peut être très intéressant aussi. Je pense salve de lame et ou viseur argon, à moins que vous remplacez salve de lame par perception vitale ou marteau pilon par salve de lame, ça pourrait être très très sympathique. J'en aurais pas un autre là qui augmente les dégâts critiques ou les chances critiques. Par exemple, je ne sais plus, possible. Non. Non, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai pour les mini-mode pour le snipe. J'ai même essayé peut-être aussi augmenter les... pardon. Pointe mettait la pénétration, mais comme c'est pas de la perfo, donc j'ai annulé tout de suite. Non, je... viseur connard. Augmente la durée du combo de tir. Non. Non, bah, non. En gros, viseur argon, je pense que c'est le meilleur mode que vous puissiez mettre pour cette config. Donc il faudra normalement 4 formats pour cette config B. Donc voilà. Donc moi je regarde cette config. Voilà. Ça a des masses de dégâts. Tout sympa. Merci Tata Lotus. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, à commenter, partager, sur ce les amis, à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Warframe, sur ce, salut.